Salut les assoiffés, alors aujourd'hui, petit unboxing de Lattebox du mois de septembre qui se prénomme Sur un nuage. Donc là, vous pouvez voir, elle n'est même pas fermée. Je pense que c'est à cause de ce qu'il y a à l'intérieur. Jolie petite montgolfière. Voilà, alors le cahier des saveurs. Et le trésor. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par ce qui n'est pas du thé, donc un tube de crème marron de l'Ardèche de la marque Clément Fourmier. Je connais déjà ça et franchement, j'adore. Bon, après, faut pas que ce soit pour les personnes qui sont au régime parce que c'est très sucré. Ensuite, on a une jolie petite tasse avec toutes sortes de montgolfières. Ensuite, on a des petits gâteaux au chocolat au lait qui s'appellent Sacha Mon Chat de la marque Bouvard. Donc, là, on voit pas très bien, mais normalement, c'est en forme de chat. En thé en vrac, on a thé tradition avec date, figue et citron. La marque Tamia Julia sur un nuage où dedans il y a thé vert, thé blanc, papaye, ananas, raisin, coco, cannelle, popcorn, amande et présence de fruits à coque. Et le dernier, collection thé infusion au fond du jardin avec fraises, framboises mûres, rosée, souci. En petit sachet, on a des McCoy Tees. Alors, c'est de la jasmine blossom et lemon citrus. Et c'est de là, si j'arrive à les attraper, First Blush et Lavender Grey. Ici, on a quatre petits sachets de la marque Destination. Grand comptoir. Et là, c'est Destination Premium. Donc, on a pomme d'amour, douceur d'oranger, tapis rouge et aftermint. Ceux-ci par contre sont à boire en soirée. En dernier, dans la box, il y a le comptoir français de thé avec oolong caramel beurre salé, connivence et Vanille Chantilly. Voilà, c'était la tea box du mois septembre sur un nuage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!